Nous vivons sous le même soleil que des êtres en tout point pareils qui partagent leur existence entre l'espoir et la souffrance. La Tibétaine au cœur si pur qui chantait à l'ombre des murs attendra jusqu'à ses 30 ans pour revoir le soleil levant. Les oubliés du toit du monde nous appellent à chaque seconde et leurs chants se heurtent en silence au vacarme de l'inconscience. C'est la voix d'un peuple brisé, de ces moines martyrisés qui nous offrent en un seul regard des milliers de vies de mémoire. C'était hier, c'était ailleurs, on disait plus jamais l'horreur. C'est là tout près, c'est maintenant, et je pleure pour tous ces gens. Nous gardons la blessure au cœur du chagrin des peuples qui meurent par la force ou par la violence, en perdant jusqu'à l'espérance. Cette lignée, si elle s'éteint avec le dernier Tibétain, laisserait pour l'éternité tant de portes à jamais fermées. Les oubliés du toit du monde nous appellent à chaque seconde, mais leurs chants se perdent en silence au désert de l'indifférence. C'est la voix d'un peuple épuisé, de ces femmes paralysées qui revivent en un seul regard tout ce que leur cœur a pu voir. C'était hier, c'était ailleurs, on disait c'était une erreur. C'est là tout près, c'est maintenant, et je rêve pour ces enfants d'un pays libre sur la terre, à des milliers d'années-lumière de ces uniformes barbares, de la peur et du désespoir, pour revivre sous le soleil une histoire en tout point pareille, et pouvoir enfin raconter les chapitres inachevés. Il est dit que jamais la flamme de la vérité dans nos âmes ne peut s'éteindre tout à fait, et qu'elle nous éclaire en secret comme du miel sur les blessures. J'entends toujours la voix si pure de la Tibétaine chanter avec ses sœurs emprisonnées quelque part au-delà des murs. J'entends toujours la voix si pure de la Tibétaine chanter leur espoir en la liberté.